俺だってやるときはやるんだ。Bonjour à tous, voici donc une vidéo Captain Tsubasa, le Morizaki Dream Collection est arrivé, il est rouge, donc on s'y attendait pas parce qu'on pensait tous avoir un goal vert principalement ou un goal bleu arrivé, mais en tout cas voilà, donc il est rouge, donc du coup bah, il va peut-être enfin sauver mon équipe rouge qui malheureusement est toujours avec son Salinas. Salinas Rousse qui est toujours un très bon goal mais qui malheureusement commence à être un petit peu vieux, un petit peu dépassé, et puis on va dire que voilà, il tient pas une game complète en PVP, il va falloir un remplaçant, et du coup Morizaki pourrait faire office de goal principal et Salinas de goal remplaçant. Donc j'avais commencé, si vous vous rappelez, la semaine dernière à invoquer, c'était la semaine dernière, oui, il y a deux semaines, je sais plus, enfin en tout cas le dernier portail à invoquer sur le portail de World Cup 2018 japonais, puisqu'ils ont remis Genzo dedans. J'avais fait juste la première multi à 30, et puis je m'étais dit que je finirais probablement le portail, donc j'ai attendu en fait le dernier jour pour savoir ce que j'allais faire, et j'ai finalement décidé de ne pas le faire pour justement tenter Morizaki. Alors pourquoi ? Pas parce que Morizaki est nettement meilleur, hein, puisque on va dire qu'il est équivalent, en fait il est sur la même lignée en termes de génération, il a un passif qui le rend pour moi plus intéressant, mais voilà, en compensation, en gros, si vous tombez sur un Genzo que vous tirez en dehors de la surface, bah, Genzo est plus puissant que Morizaki, si vous êtes dans la surface, bah, Morizaki est plus puissant que Genzo, donc c'est assez simple, en gros c'est vraiment l'équivalent du Müller Bleu World Cup 2018. C'est vraiment à peu de choses près, quasiment pareil, un tout petit peu plus puissant, mais un peu plus de coups de stamina, donc un peu plus dur à gérer. Donc voilà, donc c'est l'équivalent de la génération World Cup actuelle, ce qui fait qu'on n'est pas dans un palier supérieur, donc ça reste intéressant pour ceux qui n'ont pas réussi à choper un bon goal rouge, mais pour ceux qui ont Genzo, pour moi, c'est pas la peine d'aller le chercher. Donc on voit que ses stats sont très équilibrées en coups de poing et en arrêt. Ce qui peut être intéressant, mais ce qui est problématique, parce que du coup, on ne sait pas trop sur quoi s'orienter. Est-ce qu'on s'oriente sur un puncher, un catcher? Est-ce qu'on limite break à fond sur l'un? Est-ce qu'on essaie d'équilibrer? Est-ce qu'on met des ballons SSR sur un skill ou sur un autre? Donc là, il le donne avec l'arrêt S et le punch A. On peut récupérer un punch S sur le Morizaki gratuit bleu qu'on a eu. Et on peut... on a aussi des... on a un catch A qui traîne. Enfin, en fait, c'est Morizaki, c'est le premier goal qui a tout. Il n'a pas de B, mais il a 2 S, un punch, un catch, 2 A et 2 C. Donc voilà, c'est un goal où vraiment on peut le construire comme on veut. Donc moi, je trouve que vu ses stats, il faut le jouer soit hybride, soit full puncher. On va aller regarder, il y a un gars sur Twitter qui a balancé un tableau où on voit un peu les stats. On va voir ça tout de suite. Alors, hop. Donc, merci à lui pour cette analyse. Donc, en haut, vous avez Genzo. En dessous, vous avez Müller. Et en bas, vous avez Morizaki. Donc, vous voyez en fait la façon dont il est limit break. Sur le premier tableau, par exemple, de Morizaki en bas à gauche, on voit qu'il a limit break à fond sur le catch. Donc, orienté catch. Alors que sur le deuxième limit break en bas à droite, on a un mix en fait où on est 25 coups de poing, 25 arrêts. Et un mélange après puissance, technicité, rapidité. Et on voit au final que par exemple pour son catch S, le catch S qui est donné avec le perso, à 30% de passif, on est à 80 000 de puissance. Et pour l'autre version, celui où on joue hybride, on est à 79 000 de puissance. Donc en gros, pour passer en hybride, on ne perd pas beaucoup en termes de capacité de catch. Par contre, on regarde un peu par exemple l'arrêt. Si on regarde le super arrêt, l'arrêt S99, donc le coup de poing S99, en version full catch, on est à 64 675. Et si on prend la version hybride, on est à 70 625. Donc là, on est 6 000 au-dessus. On est beaucoup plus intéressant. Et après, bien entendu, si on commence à regarder les skills A, c'est pareil, on a des chiffres beaucoup plus intéressants.
Et vous pouvez le voir d'ailleurs que si vous êtes orienté punch, si par exemple si vous jouez avec un punch A90 EX, la version qui avait été donnée sur un des premiers Morizaki du jeu, bah vous avez les chiffres les plus hauts en fait. Là, si vous voyez sur le tableau, bah en tant que PA, c'est l'aspect la plus puissante. Voilà. Donc, en gros, honnêtement, ne pas le jouer puncher du tout, c'est-à-dire full catch, je pense que c'est une erreur. Surtout qu'en plus, bah, son passif fait que bah, vous avez besoin de garder votre stamina, de gérer votre stamina, parce qu'il est, il est effectivement plus efficace tant qu'il y a de la stamina. Au fur et à mesure que le match avance, vous avez des, enfin, il perd avec son passif. Donc clairement, il faut gérer sa stamina, et vous aurez bien entendu plus de facilité à gérer votre stamina si vous faites des punches que si vous faites des catches. Donc voilà, donc du coup, oui, bon Morizaki, bon perso. Pas, comme je vous disais, pas une génération supérieure, donc c'est pas non plus la révolution. Je ne pense pas d'ailleurs, honnêtement, tout le monde dit ouais, il y aura une prochaine génération de catcheurs encore mieux et tout. Je pense qu'ils se sont dit que là, ils sont sur une génération de catcheurs qui est déjà assez forte. Vous avez bien vu, hein, quand on affronte des Genzo S99, des Muller S99, c'est compliqué de marquer, quoi. Donc ils se disent peut-être qu'il faut temporiser un peu. Donc je sais pas, on verra, mais honnêtement je pense pas qu'il y ait de nouvelle génération tout de suite, pas avant 2019, et je pense pas du coup qu'il y ait de nouveaux Gaules rouges avant un bon moment, puisque là prochain on aura forcément un vert et bleu. Là je vous ai montré, c'est la liste de tous mes Gaules actuels, par ordre chronologique. Donc j'ai commencé avec le Wakashimazu vert dégueulasse, j'ai le Morizaki du coup event qu'on avait au début, avec donc comme vous voyez son coup de poing AX à 350 d'endurance. Je trouve que c'est un peu cher. À voir, mais si on part sur une optique d'économiser la stamina, je suis pas sûr que ça soit un bon plan. Ensuite, j'ai eu donc Muller qui était mon premier vrai goal. Après, j'ai eu Dolman, Salinas qui est mon goal actuel, qui est vraiment, voilà, j'en suis très content. Il m'a jamais déçu. Il fait le boulot. Il fait le boulot en PVP et tout. Mais voilà, c'est compliqué parce que un seul goal ça suffit pas, et parce que j'ai pas non plus voilà, j'ai pas de goal remplaçant efficace pour la suite quoi, du match. Donc ensuite, bon, il y a une série d'un peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai eu le Muller World Cup 2018, qui est d'ailleurs actuellement donc mon goal remplaçant. Donc dans une full team rouge, jouer Muller en remplaçant Muller bleu, c'est pas oufou. Surtout que j'ai pas non plus monté ces TS à fond, parce que bah, c'est pas le goal qui correspond à mon équipe. Maintenant voilà, quand je le rentre par exemple pour une deuxième mi-temps, ou plutôt pour les prolongations, l'objectif c'est plutôt de le jouer en prolongation. Ça suffit parce que son passif fait qu'avec un catch ou deux, il peut faire quelque chose. Mais voilà, après donc du coup bien j'ai eu le Morizaki coffre, voilà, qui lui donc je crois qu'il est là, donc c'est lui qui a le punch ES. Donc 255 stamina, 260 de puissance. C'est un rapport plutôt intéressant. C'est pas super puissant, mais disons que le coup vraiment est léger. Donc du coup il y a moyen de peut-être, enfin, voilà, les ballons SSR je sais pas encore si je les, bien entendu, les ballons SSR je sais pas encore si je les mettrais plutôt sur son punch ou sur son catch. En gros, est-ce que je le jouerais pas en fait en full punch, c'est-à-dire plutôt de le jouer hybride, tu récupères ce punch là, tu le mets sur ton Morizaki et tu le montes les ballons et tu le joues full punch. Voilà, ça c'était pas dans le tableau de notre ami sur Twitter, puisqu'il a fait plutôt une version hybride ou une version full catch, mais il a pas fait une version full punch, donc ça a étudié encore. J'ai fini par avoir un vieux Genzo rouge première génération derrière. Ensuite, World Cup, j'ai eu Wakashimazu vert, qui malheureusement bon, n'est pas le goal japonais par excellence. Hein. Il est correct, mais bon, si je jouais une team japonaise, je préférais l'avoir en remplaçant qu'en goal principal. Et ensuite, j'ai eu le Yamada bleu, donc le Yamada discutable, on va dire, plutôt génération, on va dire, génération Dreamco. Première génération Dreamco. Bon, je l'ai affronté hein, en PVP, des mecs qui avaient monté son catch S. On va dire que bah, quand il crit, bah, ça marche bien. Hein, quand tu tapes des crit Rainbow et Gold sur un peu tous les arrêts, ça marche bien. S'il crit pas, bah, il se passe rien, quoi. Il arrête pas. Donc, on n'aime pas trop jouer généralement avec des goals RNG total. C'est-à-dire, bah, t'as une chance sur, je sais pas, trois chances sur quatre que ça marche bien, mais l'autre, la dernière chance, ça marche pas.
Donc ouais, donc Yamada, je pense pas qu'on en croise tant que ça, c'est plutôt pour les gens qui veulent jouer full bleu et qui n'ont pas eu trop de chance sur le reste. Mais en goal principal, c'est pas fou. Donc là voilà, ça c'est ma team actuelle rouge, qui est quand même plus orientée non japonaise que japonaise. Si je chope le Morizaki, si je chope aussi par exemple dans le Dream Part Island Collection, les deux persos qui m'intéressent, c'est Jito rouge et Matsuyama rouge. Il y a moyen que je modifie ma compo pour une compo donc 3-2-3-2 japonaise avec en remettant Shingo sur le terrain. Donc je me retrouve avec Shingo Morizaki par exemple et puis derrière potentiellement Jito et Matsuyama s'ils sortent quoi. Mais donc pour l'instant, on va dire que voilà, je m'en suis bien sorti avec cette équipe. Celle-là non, ça je joue pas, c'est juste pour voir un gros chiffre. Mais ouais, donc je m'en sors bien avec cette équipe et je me suis, voilà, en PVP sur la Tsubasa Cup, je m'en suis bien sorti. J'ai été 100, je sais plus, 117e, je crois, en standard. Et 1007, un truc comme ça, en pro, je me suis fait avoir sur les 4 dernières heures, comme je ne jouais pas, je me suis fait dépasser. J'étais 890 et puis bah, il y a eu plus de 100 places de perdu en quelques heures dans la nuit. Voilà, bon, j'avais pas tryhard non plus comme un fou, mais disons que voilà, avec une équipe qui a pas d'S99 et une équipe qui a juste Salinas Rouge en goal, S40, je suis plutôt content. Donc voilà, donc au niveau des persos du portail, je dirais pas non, donc, comme je vous ai dit, à des vieux décès, c'est-à-dire Jito et Matsuyama, ouais. Et le reste, bon, voilà, encore une fois, j'ai tellement investi sur la team rouge que en fait, je peux plus jouer le reste. Donc le reste, c'est pour le PvE. Tu sors une team bleue, une team verte pour le PvE. Mais en PvP, c'est pas possible. Je peux pas sortir une team avec DTS 1 et pas leveler quoi. L'Alberto est très bien. Si je l'ai, je l'ai. Enfin, je l'ai pas. Donc si je le drop, je vais pas me plaindre. Ça ira dans ma team bleue. Oeran, je l'ai déjà. Qui est pas fou d'ailleurs. Hein. C'est pour moi, c'est pas un très bon Dream Collection. Bon, bien entendu, si vous le jouez en team verte. Bah ça fera largement l'affaire, mais voilà. Sinon de façon générale, par exemple dans une team mix couleur, bah, il n'a pas sa place quoi. Donc voilà, donc déjà lui j'en veux pas parce que j'ai déjà. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, moi je veux Morizaki, je suis là pour ça. Donc on est parti. Donc j'ai 260 DB gratuites, je ne touche toujours pas à mes payés, qui servent pour les singles à une orbe. Donc on est parti pour. Je crois pas qu'il y ait d'ailleurs du single non dessus. Donc on est parti pour 5 multi max. Sachant que voilà, de toute façon, je peux pas mettre plus puisque je peux pas taper dans les payantes. Donc on espère qu'il va tomber. J'ai l'habitude de dropper les persos que je veux, mais à la toute fin. C'est-à-dire que je les paye cher. Donc ça serait bien que ce soit pas le cas aujourd'hui. Mais je préfère l'avoir à la toute fin que pas l'avoir du tout. Première multi, il y a du SSR. C'est aussi pour ça que j'aime bien les portails 5%. Bon, un seul seulement, mais au moins on commence à être une multi. Allez, on veut le goal rouge. Ouais! Oh, première multi, il est là! Yes! Voilà! Bon, et bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Première multi, du coup, je vais garder mes Dream Ball pour la suite. Tant pis, pas de Jito, pas de Matsuyama, c'est pas grave. On était venu pour lui. Il est tombé. Première multi. Ça fait plaisir. Et bah voilà, et bah on est content. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas encore comment je vais le monter. Parce que j'estime qu'il y a plusieurs façons de le jouer. Donc je vais réfléchir dessus, je vais voir un peu si on part sur un full puncher ou un hybride. Sachant que bah, de toute façon les ballons SSR, il va falloir choisir. On ne peut pas les mettre, je ne vais pas faire un mélange un peu sur le catch S, un peu sur le punch S. Donc il va falloir choisir. La bonne nouvelle, c'est que des ballons SSR, et j'en ai plein parce que je les stack, puisque je voulais pas les mettre plus sur mon Salinas. Et je me suis dit qu'avec Schneider S40 et Napoléon S30, ça suffisait pour le moment. Et c'est vrai, ça marchait bien. Donc du coup, bah, vous voyez, des ballons SSR, il y en a pas mal dans ma box. Voilà. Et puis il y en a dans mon shop, puisque j'ai pas encore acheté ceux du shop PVP, alors que j'ai largement de quoi tous les prendre. Et dans ma box, je vais vous montrer vite fait ma box ballon. Alors, renforcement TS. Ah, ça fait plaisir.
Voilà, on prend n'importe quel perso, juste pour vous montrer. Voilà, donc des ballons SSR. J'en ai un petit peu. Voilà, je ne vais pas pouvoir monter S99 non plus, faut pas déconner. Mais disons que facilement S50, S60, je pense que c'est tout à fait gérable. Donc voilà, à voir comment le monter. Au final, le problème c'est plutôt les ballons SR, j'en ai pas beaucoup en stock. Et du coup, sachant que voilà, un goal à 80 c'est super important. Je dirais pas que c'est plus important qu'S99, mais c'est quasiment aussi important parce qu'il faut gérer la stamina, que les petits tirs un peu pourris de milieu de terrain, souvent la C40 c'est pas forcément suffisant, donc il faut mettre un skill au-dessus. Et si vous êtes obligé de mettre votre skill S pour l'arrêter, ça devient vite compliqué. Donc voilà, on va réfléchir, on va voir comment on le joue. Mais en tout cas, voilà, on est super content. En plus, du coup, je me suis pas ruiné sur les DB. Donc la question maintenant de savoir c'est j'économise pourquoi, puisque du coup en fin de mois on aura le Dream Festival avec notre ami un personnage vert, donc ça m'intéressera pas, du coup je ne poulerai pas dessus. Ensuite on aura donc un Dream Festival bleu, ça ne m'intéressera pas non plus. Donc du coup je vais stacker des DB, puisque là je me réserve, hein, je fais en sorte de ne pas pull sur des portails qui ne m'intéressent pas. Donc c'est pour ça que mes DB gratuites remontent assez vite, parce que je me raisonne et que je fais attention à mes DB, j'économise et je pull que quand il faut. Donc voilà, du coup on verra sur quel est le prochain perso important pour ma team. A priori, ça sera plutôt des défenseurs. J'aimerais bien des défenseurs rouges un peu plus costauds que les miens actuels. Mais disons que. Il n'y a pas d'urgence, quoi. Voilà. Là, en fait, il me faudrait des team skills qui me permettraient de dépasser les 30%, puisque là, actuellement, je suis sur une team 30%, ce qui est bien, mais malheureusement, à l'heure actuelle, on voit souvent des teams à 35, 40, et certaines à 45, et ça fait une grosse différence. Donc, du coup, en fait, techniquement, il faudrait que j'invoque sur des persos, on va dire, des persos avec des team skills qui donnent, genre, je sais pas, 15% MO, etc. 15% MO, 10% rouge, ou des trucs comme ça. Donc à voir. Je crois que je dois peut-être une petite single qui traîne sur les Chinois. Donc, même s'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse chez les Chinois, elle est déjà faite. J'ai des tickets SSR garantis que je n'utilise pas pour le moment. Donc, j'en ai 3. Il me reste celui du Road à récupérer, 4 et celui d'en fin de mois, ça fera 5. Je les stack pour le moment et je vous conseille de le faire. Si vous regardez un peu les personnages qui sont dedans, enfin, je parle pour les vieux joueurs, bien entendu, puisque les nouveaux joueurs, vous avez tout intérêt à récupérer des persos assez vite. Mais les vieux joueurs, vous allez voir que. Honnêtement, à part peut-être 5-6 persos dans le portail, la plupart ne vous intéresseront pas et ne seront pas game changer dans votre équipe. Donc moi, je vous invite à attendre plutôt, sachant que y a bien un moment, ils vont faire une update. Ils l'ont fait un moment. Et puis, il y a plein de persos maintenant qui sont des persos hors bannière Dream Collection et Dream Festival, qui sont très bons. Donc, que ce soit les Chinois, que ce soit les Européens du Halloween, que ce soit Espadas, l'attaquant bleu Espadas, qui est l'un des meilleurs attaquants bleus, il est hors portail Dream Festival, Dream Collection. Donc, techniquement, il y a un moment, il finira dans les tickets SSR. Donc voilà, moi je vous conseille de les stacker pour le moment. C'est un peu difficile parce qu'on se dit on a toujours envie d'avoir un nouveau perso, on a envie d'avoir des trucs à coacher et à changer dans son équipe. Mais si vous voulez vraiment optimiser, c'est un peu comme les Dream Ball, il faut choisir vos portails. Vous pouvez pas vraiment invoquer sur tout parce que sinon vous aurez jamais l'équipe que vous voulez faire. Et donc du coup, tickets SSR c'est pareil, il faut les stacker. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu longue, je crois. En tout cas, je suis content. J'ai enfin un goal rouge nouvelle génération. Même si c'est pas un goal complètement cheaté, on va dire que le fait qu'il soit simplement l'équivalent d'un Müller Bleu World Cup 2018, je suis très content, puisque pour moi c'est un très bon goal, voire le meilleur. Encore une fois, si vous faites du PVP, vous allez voir que Genzo. En fait, il y a très souvent des gens qui vont tirer dans la surface, hein, parce qu'on a des 1-2, on a des gros dribbles, etc. Et donc on arrive dans la surface. Et quand on tire dans la surface, le Genzo, il marche pas vraiment, quoi. Il fait le boulot en dehors. C'est le meilleur goal en dehors de surface. Mais dans la surface, vous auriez préféré avoir l'équivalent d'un Müller bleu. Donc du coup, Morizaki, ça me va. Voilà. Donc merci à tous. Bonne journée. Bon pool si vous tentez votre chance sur le Dream Collection. Et à la prochaine. Ciao !